Notre site 26minutes.ch va rester en ligne, même après le décès de cette émission. Vous pourrez vous y rendre de temps en temps pour revoir de vieilles séquences et soigner les coups de blues. Alors, une question concernant l'économie américaine. Ouh, quel sujet! On va vite boire un verre avant de parler de l'économie américaine. L'économie américaine se porte particulièrement bien en cette fin d'année 2017 avec une croissance soutenue, des bénéfices en hausse et un taux de chômage en baisse. Une situation plutôt inattendue pour ceux qui prédisaient une catastrophe économique au moment de l'élection de Donald Trump il y a une année. Pour parler de l'état de l'économie américaine et mondiale, l'attaché économique à l'ambassade d'Inde à Berne nous rejoint sur ce plateau. Rajiv Patel, bonsoir. Good evening, sir. Comment ça va? Very good, very good. Vous êtes venu avec votre, yes. Votre assistant ce soir? This is Mukesh, yes. Mukesh. He is very strong, he is very obedient. D'accord. Yeah. Mais il n'a pas l'air très, très indien, Mukesh. Oh, I have bleached his skin for better integration in Switzerland, you know? Vous avez éclairci sa peau pour mieux l'intégrer en Suisse, and c'est it ça? Looks well. Look, Mukesh, say hello. See? Bonjour. Very good accent. Oui, Rajiv Patel, yes. Cette vigueur retrouvée de l'économie américaine, est-ce qu'elle vous surprend? Oh, absolutely not. No, this is what was to be expected from Donald Trump's campaign. You know, ça vous étonne pas? C'était une grande promesse de la présidence Trump. Et absolutely. Ça... Last November, as you saw, in November, December, there was a big tax bill that was passed in Congress in the U.S., oui. Bringing the taxes down by 1.5 trillion US dollars, un allègement fiscal de 1500 milliards vient de passer au niveau du Congrès avec notamment des taux d'imposition des entreprises. Absolutely going from 35 to 21%. Qui sont descendus de 35 à 21%. That's super duper for the economy. C'est incroyable. Yeah, it's great. Ça c'est vraiment bon pour l'économie. Of course, that is like a Vaseline for the economy, you know. Yeah. Basically. Put the taxes down, then you've got profits up, growth up, and happiness. Everyone's so happy. Donc c'est quasiment more happiness. C'est presque mécanique. Une réduction d'impôts, ça génère plus de bénéfices, yeah. Donc plus de croissance, donc plus de bonheur. C'est ça que vous nous dites. Yeah, yeah. Mais c'est aussi 1500 milliards de dollars qui vont manquer à l'État pour pour ses infrastructures, pour ses programmes sociaux. Yeah. Ça va créer plus d'inégalités, ça, non? Non, fake news, fake news. Non, mais c'est un problème l'inégalité. Non, not at all. Inequality is good for the economy, you see. L'inégalité, c'est bon pour l'économie? Yes, absolutely. It's great for the economy because basically more inequality brings more jobs. Plus d'inégalité crée plus de travail. Yes. Je suis pas sûr de vous suivre. Okay, I'll explain to you. Look at Mukesh, for instance. Oui. Yeah, this is Mukesh. Do you think we are equal? What do you think? Est-ce que vous êtes égaux? Non, pas vraiment. Enfin, exactly. Manifestement pas. Non. If we were equal, then oui. Mukesh would want my job. Yeah, he would be fighting. Si vous étiez égaux, Mukesh voudrait votre travail. Yeah, exactly. But Mukesh, my job na Cherry Mogongando. No, you see, he does not. Il veut pas votre travail. He does not want my job. He is happy to be an assistant. Donc il y a une sorte de ouais, il aime bien être votre assistant. Ça, yeah, ça vous exactly. Le dites. Il y a une sorte de complémentarité absolutely, comme ça. Absolutely. Yeah. I mean, if he was fighting for my job, then we would be fighting for one job. C'est ça. But instead of that. He is happy to be my assistant. I hire him, and so I hired him, and we got two jobs instead of one job. Du coup, vous l'engagez, ça fait. So I create jobs. Du coup, vous créez un inequality creates jobs. D'accord, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que l'économie sous Trump est vraiment, vraiment en train de cartonner comme il l'a promis? Absolutely. You want me to show you some numbers? Do some number crunching up on the chart. Oui, vous pouvez nous montrer quelques. Oui, bien sûr. So Mukesh, give me pen. Yeah, he is very obedient. Mukesh vous donne un stylo. Okay. What's important when you're looking at economy growth and everything is like first thing is GDP. Alors, ce qui est important, c'est de regarder le PIB. GDP went up by 3.3% if you look at last trimester, which is au troisième, very good. It's going au troisième trimestre 2017, il a augmenté de 3.3%. Super duper growth, okay? Ça, c'est yes, super. Exactly. Now, what you want also is look at inflation, for instance. On a l'inflation aussi qui est important. It's very stable. It's at 1.7%, which is close to the 2% target. Qui est toujours à 1.7%, le taux d'inflation. Exactly. And then what else have we got chômage, yeah? Oui, unemployment en anglais, oui. Unemployment is... Going down to 4. Very good, very good. But merci. Yeah, it's making progress. Going down to 4.1%. Le taux il est à 4.1. C'est bien ou pas? It's very good. It's even better than Germany or France or all the developing nations. Yeah. C'est mieux qu'ici en Europe. Very good. Yeah. Very good. Très bien. But, and then we've got the Bitcoin as well. Everyone's been talking about Bitcoin recently. Yeah. On a le Bitcoin. Bitcoin is at current state right now is a plus 2,450%. 2400%. Super. Going up. This is all great. J'ai une question, Rajiv. C'est quoi le rapport entre les bitcoins et Donald Trump? Oh, there's no link at all. It's just looking good on my chart. That's ça fait juste joli sur votre tableau. Très bien. Yes. Bon,
But I want to say something else. Can I show you another chart? Yeah. Oui, oui, vous pouvez. Okay, Mukesh, change it. Change. Hurry up. What is it doing in Charimogo Gando? Allez, Mukesh. So, what I want to talk about last thing is the stock market. You know stock market? L'indice boursier américain. Yes, exactly. Voilà. I want to show you what the Dow Jones is doing basically. Alors, le Dow Jones. Dow Jones index, okay, for 2017. What did it do? Vous avez montré quoi? Un schéma en 2017. Très bien. Yes, exactly. Alors, basically, it's going up like this and going up. This is January, February, March, April, May, June, etc., you know, all the months, yeah, going up and going up and all the way up. Radif, vous faites tout ça de tête, c'est la vraie courbe, ça? Exactly, it is my... C'est incroyable. I'm an economist, I know what I'm doing. So, donc, plus 24.5% year to date, isn't that a great performance? Donc il y a une énorme performance, ça fait, ouais, en effet, 24.5% d'augmentation. Yes, from, exactly, from 20,000 about, Dow Jones. Okay. Beginning of the year, now the Dow Jones is almost hitting 25K. And bon, qu'est-ce qui s'est passé en gros, alors, what sur cette courbe? Well, what you can see is some really interesting things, like for instance, Hurricane Harvey. Là, il y a l'ouragan Harvey, par Hurricane exemple. Hurricane Irma in September, l'ouragan also Irma, down. D'accord, ouais. And then here you got this tax relief program that I told you about just là, on a ce programme qui it's veut être lancé. Shooting up, it's making the business people so happy. Just il relance shooting up, tout le monde exactly est content. Like, they're like a big ZZ, you know, when you're doing gros, voilà, enfin bon. With lots of, voilà, très bien. Inside, yeah. Donc, making very happy. Bon, yes. On voit clairement un petit effondrement des valeurs quand même. Hein, yes, there is also some little movements here. These are due to Donald Trump's behavior on a daily basis. Alors ça, ces petits mouvements, ils sont dus au comportement de Donald Trump. For instance, Donald Trump making a tweet that is, if it is going up, it's because he made a really good funny tweet that's being retweeted. Donc quand ça monte, c'est parce que Donald Trump a fait des tweets qui ont été retweetés, right, des bons tweets. Right, and down here it goes down because he had bad hair on Monday. Donc des fois, ça descend parce qu'il a une mauvaise coupe de cheveux ce jour-là. Here is very he has bad hair and Melania had bad hair on the same day. Et parfois, so it's voilà, a market crash. Parfois, les descentes sont plus importantes lorsque Melania également est mal coiffée ce jour-là. Donc, si on résume, Rajiv Patel, l'économie américaine est en train de battre tous les records. La bourse a gagné quasiment, vous l'avez dit, hein, 25%, c'est énorme, de valeur en une année. Mais on est d'accord que ça ne peut pas continuer comme ça. Oh, why not? Bah parce que c'est, enfin, on est clairement face à une bulle, et parce que il y a plus de place sur votre feuille pour aller pour fake news. Look at what's happening. Of course, there's more space, and that's why I'm going to give you my predictions for 2018. Alors vos prédictions pour l'année prochaine. Mukesh, well, yeah? Grâce à Mukesh, ouais. But we do is we just go up here, and then 2018. Qu'est-ce que ça? Is going just continuing, January, ça va continuer March, à monter. April, May, June, yes, all the way up. Encore. All the way up. Encore. To the, oh my shit! Attends, qu'est-ce qui se passe? Oh fuck! Sorry. Ça va? Yeah. Oh sure, I'm okay. Vous allez bien? Sorry, yeah, I'm okay. Okay, don't worry. But Mukesh. Mukesh, apka chariyo. Manda. Apka chariyo. Oh, he's dead, I think. Il est mort? Yes. Ah, mais attendez, faut qu'on appelle non, la sécurité. Non, don't touch. He's dead. Don't touch him. Ok, très bien. Merci Rajiv Patel. Don't worry, I have another one at home. On avait un autre à la maison. Très bien, à bientôt. High five. Au revoir, merci. Bravo. Hi, high five, everybody.